Département Sécurité Nationale États-Unis organisé une conférence pour la presse dans Miami mercredi pour annoncer mesures à prendre pour couper trafic d'armes qu'a fait entre États-Unis avec Haïti. Anthony Salisbury, c'est agent spécial qui est responsable pour investigation Département Sécurité Nationale dans Miami, HSI. HSI a collègues constaté une grosse augmentation dans le trafic d'armes illégales entre États-Unis et Haïti. Non seulement il y a une augmentation dans la quantité d'armes nous constatée, mais calibre d'armes ça yo. Zam nous voyons, c'est zam que nous interceptées qui étaient destinées pour Haïti. Parmi eux, zam sniper 50 calibre et puis mitraillette tout. Mon cher Ariel Henry, manqué quitter Paul, mesdames, messieurs, là, dans la coumatissant. En pile gros cassoté, monsieur, ça a décidé de monter dans Jérémy afin que le tal inaugure un pont. Le gouvernement là prend comme cheval de bataille, puisque me dit, je me connais que c'est un pont qui a commencé déjà sous président Jovenel Moïse. Même si on inaugure pont, comme quoi c'est lui-même qui t'a fait. Mais ça n'a pas de problème, non? On va le temps des détails. Ariel Henry peut tête les matissant tout de suite. Monsieur, cassé tête les tourner parce que. Bagay la te mon gros mère. Au départ, m'a dit nous, monsieur t'allé quand même. Mais le pas de café ma Matissan, d'aller essayer faire dans Saint-Jude ou bien dans Saint-Roch, genre qu'on dit là, et en pile problème puisque bandit est ouvert coup d'âme, cortège Ariel Henry, manqué chiffonné en bas falaise, en pile tia ou la fête. Ou bral saisi tendez comment monsieur premier ministre président, tenant gros panique, information qui arrive chez nous. Pendant que la table compliquée comme ça, monsieur a manqué pipi sur lui parce que l'âge commencé à entrer sérieusement sur lui. Dans la même série émission, on a profité de détails sur l'annonce que les États-Unis fait sous nouvelles mesures pour couper le trafic d'armes en Haïti. Département de sécurité nationale États-Unis, mesdames, messieurs, organisé une conférence pour la presse dans Miami mercredi pour annoncer mesures à prendre pour couper le trafic d'armes qu'a fait dans les États-Unis. Et Anthony Salisbury, donc c'est agent spécial qui responsable pour investigation département sécurité nationale là dans Miami. On va le détail, on va le quitter. Mais d'abord, quitte au fond de garder vidéo ça à côté que monsieur saisi un paquet d'armes qui t'a entré là dans la Côte de Prince qui t'a bien fait l'oreille. M'a venu tout de suite après. Grand pile détail, restez suivre donc. En pile. Département Sécurité Nationale États-Unis organisé une conférence pour la presse dans Miami mercredi pour annoncer mesures à prendre pour couper trafic d'armes qu'a fait entre États-Unis avec Haïti. Anthony Salisbury, c'est agent spécial qui est responsable pour investigation Département Sécurité Nationale dans Miami, HSI. HSI a collègues constaté une grosse augmentation dans le trafic d'armes illégales entre États-Unis et Haïti. Non seulement il y a une augmentation dans la quantité d'armes nous constatée, mais calibre d'armes ça yo. Zam nous voyons, c'est zam que nous interceptées qui étaient destinées pour Haïti. Parmi eux, zam sniper 50 calibre et puis mitraillette tout. D'après agent Salisbury, zam sa yo gen capacité pour yo causer en pile dégâts. HSI a collègues nous dans le département sécurité nationale ATF, la police Miami-Dade avec ministre justice États-Unis organisé conférence aujourd'hui pour faire tout le monde connaître n'a suivre questionnement de près. N'a augmenté GFO nous pour nous couper trafic illégal d'armes dans Caraïbes et Haïti. Vernon T. Foret, directeur opération service la douane à protection frontière États-Unis pour région Miami à Tampa, Floride, là, bay détail sur qui genre autorité américaine yo gen intention couper trafic d'armes. Nous fixons comme priorité inspecter tout cargo qui est destiné pour Haïti. Nous avons inspecté colis moun expédié par ligne aérienne commerciale autour. Donc ensemble avec partenaires nous avons servi avec tous les outils nous gagnons à la disposition nous pour identifier et saisir les armes, pièces pour armes et munitions à destination Caraïbes et à cause augmentation nous constatons à Haïti en particulier. Nouvelle ça a tombé après plusieurs semaines de bataille entre gang yo dans Port-au-Prince qui la cause des milliers de moun obligés courir quitter Kayo et des centaines d'autres blessés. Pendant ce temps, pays tankou Bahamas avec Jamaïque rapportait une augmentation dans la violence qui fait exam la Kayo. Sandra Lemaire pour VOA Créole, Washington. Immédiatement, fin tande information ça. Des bagailles qu'on t'a posé tout. Mesdames, messieurs, plusieurs monde dans le pays d'Haïti qui assez souvent c'est des nègres cap qui mes âmes dans mes yo. Premier bagaille qu'on t'a remis posé tout, c'est côté âmes ça au passé entrer dans le pays d'Haïti. Et assez souvent, selon nos informations ou informations que nous toutes connaissons dans le pays, c'est des âmes qui sortent dans le pays tonton Sam ou bien chez quelques autres voisins. Mais assez souvent, c'est des âmes qui sortent, mesdames, messieurs, dans le pays tonton Sam qui viennent caler ouzi, calbente, fait gros oulem de bo là dans la coupe au prince. Et les âmes, ça rentre dans la douane, nous garantis, ou pas qu'on qui est-ce qui mal, qui est-ce qui fait mal, qui est-ce qui parle la main, qui est-ce pour qui est-ce ça te vini, seulement tout le monde connaît, il y a un plus gros business. Le pays d'Haïti qui est là, c'est 20 âmes avec munitions. Qui s'arrive, mesdames, messieurs, le département de sécurité nationale États-Unis, plusieurs fois, les Yoshita pour dire qu'il faut que croire plus ça qui a passé là dans la cour de presse. Mais on bagaille comme ça, on comprend. Majorité bagaille qui a passé là dans le pays d'Haïti, c'est les bagailles qui concernaient de nèg qui gagne de gros abnormes. Mais l'État, États-Unis ou bien le gouvernement américain, yo la tout toute chair la soudol puisque international là la noté pour tout. Un pays qui est en bas, ordou, mais qui sous ordou, pardon, paquet en pluralité d'années. Donc ce que vous devez faire, faut que pays ça au moins, mesdames, messieurs, t'as capable de commencer à gagner une série de bagailles qui t'a marché mieux la caille. Mais c'est comme quoi, avec les États-Unis d'Amérique, c'est le néant, avec les États-Unis d'Amérique, c'est le grand problème. Bagay ça, bay en pile pays problème et surtout les instances internationales reconnaissent que mesdames, messieurs, Monsieur Ariel Henry accepté. D'accord, dit ça, le silence ou bien le lever de main des États-Unis d'Amérique par rapport avec la situation de crise d'impunité Haïti a fait face pendant plusieurs temps. Information, mesdames, messieurs. Monsieur dans le département de sécurité nationale États-Unis a organisé plusieurs meetings. Et à travers chaque rencontre, ça, mesdames, messieurs, point haïtien, c'est un point qui était vraiment sauvé. Puisque dans le règlement, colis qui a sorti dans quel que soit le pays, surtout aux États-Unis, donc, il n'y a pas de droit pour ouvrir colis, mis à part le check qui fait en douane pour connaître qui bagaille qui peut aller. Mais check ça pas qu'on fait assez souvent, mesdames, messieurs. Donc comme des checks qu'on fait pour empêcher deux âmes passer. Parce que même l'État comprend ça. Si c'était pour empêcher les âmes passer, même dans l'aéroport qui est vraiment sécurisé, là, on toujours passer, à la chance passer, soit avec drogue ou bien les âmes. Et bien, mesdames, messieurs, tu as décidé de faire rencontre ça. C'est de là, mesdames, messieurs, le département de sécurité nationale États-Unis, hein, dès que tu es arrivé le 17 août, hein, le 17 août 2022, tu as organisé une conférence pour la presse dans Miami. Et je m'écris ça, mesdames, messieurs, tu as annoncé en pile mési, aux mesures que tu prends pour couper les trafics d'armes et de munitions en provenance des États-Unis d'Amérique. Anthony Salisbury, mesdames, messieurs, qui est agent spécial, qui est responsable pour l'investigation dans le département de sécurité nationale dans Miami, hein, mesdames, messieurs, et HSI, et bien, mesdames, messieurs, à collègues, tout le monde est arrivé à constater, mesdames, messieurs, une grosse augmentation dans le trafic d'armes illégales entre les États-Unis et les pays d'Haïti. Non seulement, mesdames, messieurs, il y a une augmentation de la quantité d'armes sous constat qui est faite, hein, moun yo constaté, mais calibre manche longue ça capable de madame monsieur Sésame nous capable constater les que Noël et yo ces âmes que nous ca accepter qui destiné pour Haïti, mais faut c'est ça avec nous, c'est des âmes tout utilisées dans la guerre. Parmi eux, il y a des âmes sniper de calibre 50 et il y a mitraillette, mesdames et messieurs. D'après agent c'est Salisbury, les âmes ça yo gagne capacité pour yo causer un pile gros dégâts. Et il y a ceci à collègue yo dans le département de sécurité nationale là, ATF, t'as qu'à dire ça, mais la police Miami tendait en pile ou qui fait par bon côté gouvernement central pays États-Unis. Et m'a dit nous que ministre justice États-Unis, monsieur qui au fait est arrivé organiser conférence là pour te faire tout le monde connaît et à suivre question ça de près. Eh bien, monsieur a déclaré que nous avons augmenté les efforts pour couper le trafic d'armes illégales dans le pays, mais que en pile monde capable de dire que pas presque ouais comment ça va le faire. Vernon T. Foret, c'est directeur opération service la douane à protection frontière d'Acadisa dans les États-Unis pour région Miami à Tampa, Floride. Il y a un pile détail sur qui j'ai l'autorité américaine intention couper trafic d'armes. Mais on dit non, nouvelle ça est venue après plusieurs semaines bataille entre les gangs armés de Port-au-Prince qui la cause mesdames messieurs des milliers de monde obligés de quitter la caillou ou bien certaines lots qui blessés ou bien qui mourent. Pendant ce temps on paquet l'autre pays donc Bahamas, Jamaïque nous avons rapporté une augmentation dans la violence qui fait à l'examen la caillou parce que eux même ils dit yo pas pral bail aucun monde vient Haïti là. Bagay ça a pas un pile qui est sauté et faire un pile mon plaisir si les États-Unis d'Amérique t'arrivent à faire ça vrai. En tout cas yo ba nous des images yo monter au commencer la question mesdames messieurs du premier ministre Ariel Henry qui au fait c'est une nègre qui était déplacé pour aller dans l'inauguration de la fête mesdames messieurs mes frères et sœurs amis en Jérémy. C'était prévu, mesdames, messieurs, de très tôt pour monsieur déplacer pour aller Jérémy, pour aller à l'inauguration. Donc, il y a un pont qui a fait dans la zone ça. Mais qui s'arrivait? Selon chef cortège, monsieur, il était décidé pour aller dans l'hélicoptère ou petit avion. Même si tellement gagné de malaise avec le matériel, ça, et ceci. De grand malaise, m'a dit nous ça. Eh bien, monsieur t'es senti le fatigue de plus. Et monsieur dit meilleure façon pour capable aller c'est par voiture puisque monsieur pas voulu tout déplacer à moins que possible. À moins que monsieur d'envoyer cortège là aller. OK. Aller 11 jours avant et puis monsieur retardé toi et puis libre avion là aller. Immédiatement avion déposé le reste cortège là pour c'est comme ça ça qu'on fait. Eh bien, monsieur était décidé lui-même, pas peur, pour le braver les dangers. L'un a eu arrivé dans la tête Matissan, mesdames, messieurs, André Matissan. Le chauffeur, monsieur, a crasé la a pesé fond. C'est là, ils ont envahi le côté du monsieur à coup de balle. Ça a nécessité que Ariel Henry replie. Et selon l'information et source que nous gagnons en tant que même, je dis nous que monsieur était même demandé pour le retourner. Mais selon chef cortège, monsieur, et les conseillers politiques et sécurité, monsieur, le fait qu'on est ça t'a pas un signe de faiblesse envers international là qui est capable de montrer que ou en faiblesse ou pas capable de diriger ou pas capable d'avancer, c'est nécessaire pour que un arrangement qui fait. Et bien mes frères et sœurs amis, Ariel Henry décidé à le passer par Saint-Jude ou par Saint-Roch ou bien fait par en laine en tête la boule. C'est là que pral gen cause. C'est là que pral gen problème parce que t'es qu'on l'appui. Et majorité machine dans le cortège Ariel Henry, Je t'ai une quinzaine de machines, je crois. Et 7 machines seulement qui ensemble qui font série de bagailles. C'est là, le Premier ministre-président prend le commencer inquiet. Coup de balle marée en bas, chauffeur fait attention à la falaise. Pendant 3 fois, machine Ariel Henry allait pour tomber dans la falaise. Et monsieur couronné chauffeur parce que chauffeur a pile de travail pour lui. Je ne suis pas content parce que Ariel Henry suit, mais je suis extrêmement étonné. Pour un Premier ministre, n'a pas pu trouver un moyen pour, comme si montrer Tibandi que c'est lui le Premier ministre, c'est lui qui a dirigé le pays, qui a passé l'élève, les côtés, les gens. Mais malheureusement, monsieur qui a décidé de fermer à Arolpa. Donc, madame, monsieur Ariel Henry, dans le moment où je vous parle, considérez madame, monsieur, comme n'importe quel citoyen. L'État a une responsabilité dans le courrier pour mentir. Côté pays, ça va aller. Organiser aussi une réflexion avec débat pour évaluer qui ça qui fait depuis après la catastrophe qui là dans la ville Miragouane et Sussalon dans la zone Békin. Après une visite rapide coordination humanitaire dans Ocha, côté où tu rencontré un pile secteur. C'est M. Emmanuel Pierre, chef opération de la direction centrale protection civile, qui était présent pour faire évaluation dans cette collée avec le directeur Nicolas Fidel, qui a dirigé protection civile pour le département NIP, et puis magistrat Miragouane, Anne-Myriam Loiseau, qui était présent pour évaluation. Responsable montré satisfait pour l'intervention qui était faite sous le département. M. Nicolas Fidel parlait sous distribution qui était faite dans la majorité centrale, et puis accompagnement est arrivé à temps. Direction départementale de protection civile parlait d'ensemble bagaille en perspective pour continuer à accompagner la population selon Nicolas Fidel avec Emmanuel Pierre. Monsieur Emmanuel Pierre pour protection générale, direction générale protection civile, conscient, il a été dégagé d'un leadership responsable en matière de coordination de distribution aide pour les réponses à déplacer. Première citoyenne Miragouane, Anne-Myriam Loiseau, montre qu'il n'y a pas de problème pour collaborer avec les trois secteurs et puis pour intérêt de la population. Par rapport à nous, activité pour des prisonniers, joint manger, continue sous coordination révérend Réginal Valier, réparation cimetière, accompagné par Arol Etienne, qui sont dans l'église de Dieu Mathieu, qui étaient rendus dans la prison civile pour capable porter manger par les prisonniers qui sont dans nécessité. Commissaire Paul Pierre-Eliott qui était recevoir avec aide, commissaire Jean-Garry Ville, salué volontaire révérend Réginal Valier, qui décide de sensibiliser les leaders religieux dans les organes pour venir des prisonniers qui doivent réellement dans la nécessité. Le commissaire Elliot Bay garantit qu'il a fait tout ça capable avec ses partenaires pour aider les détenus sortis dans la situation difficile. Le révérend Réginal Valier, qui est paroisse Saint-Mathia, qui sortit dans la mission épiscopale, montre volonté à détermination pour aider les gens qui ne sont pas capables. Et il dit tout à l'heure qu'il y a possibilité de continuer à chercher pour les gens qui ont des difficultés pour manger avec soin, puisque la situation matissant la cause n'a pas qu'à traverser fini dans le bloc sud-là. Je me rappelle, pasteur Arol Etienne qui accompagné une délégation fidèle de l'église de Dieu dans Mathieu. Côté de distribuer manger dans ces îles qui doivent avec ces îles Miragouane. Pour finir, Notre-Dame n'a cité à l'État dans une situation difficile à cause de problèmes payants. La population n'a pas réellement trouvé dans aucun ambiance, malgré hier soir, l'autorité a été sélectionnée quelques groupes pour créer animation. Seulement, il y a un groupe qui fait partie de plusieurs organisations de base qui ont décidé de mettre ensemble pour faire un type de nettoyage dans quelques périodes de temps, malgré Jean Saillé, grâce avec Sipoyo et puis encouragement Kazek pour le Pendicette. Moun capable de faire une machine en ville, pendant que nous c'est le monde qui a activé comme quoi, pour l'État, alors que c'est eux qui décident de travailler avec beaucoup de volonté à cause de la situation en ville qui est au salon. Joseph Anel dit quoi, Caraïbes FM. Frankel Maginaire, depuis Jérémy, bonjour. Oui, bonjour Guerrier, Johnny, Madame Lizzie Mouna Kaïmouen et. Bonjour et bonne écoute à tous auditeurs auditrices et qui connectent Caraïbes via différents relais sur le bâtiment. Dans quelques heures de temps, c'est pour arriver dans la ville de Jérémy, il y a une délégation officielle qui a dirigée par le Premier ministre CIA, Dr. Ariel Henry, à divers autres groupes, personnalités, personnages, Banque mondiale, à tant d'autres partenaires économiques qui souvent mettent moyen l'argent disponible pour que le gouvernement haïtien réaliser gros projets infrastructures dans le pays. Exemple, pont sur rivière Grandance, réponse urgence, poste et catastrophe, qui chef gouvernement, Dr. Ariel Henry, a inauguré jeudi à même, qui se mercredi 17 août 2021, délégation officielle au niveau ça permet PM avec l'autre partenaire international garder ensemble l'autre besoin dans Jérémy, soit sur le plan infrastructure routière et pont qui doit faire beaucoup ancien pont du Marseille estimé et ancien pont du Marseille qui est endommagé a bien possibilité à partir de promesses et banque interaméricaine de développement fait bid que yo capable de réhabiliter la même tout bail possibilité l'argent pour que yo construise le pont. Et faut nous faire remarquer cher gouvernement cap dans ville la guerrier et pas là un petit temps encore c'est vrai la passer dans avion la descendre sur l'aérodrome tout neuf dans numéro 2 et marcher sur près de 7 km route asphaltée qui ancien administration président Jovenel là lui-même s'est fait. Il faut que nous doutions et gagner possibilité là et pour que le chef gouvernement rentre le moment gagne un blackout total capital depuis plusieurs jours et en même temps tout question Fadra et un peu partout à travers Ville Jérémy et NKTMA n'est pas lui-même tout grâce de majorité ou tout ça c'est pour toute une série de problèmes que le Premier ministre lui-même après avec DGL. Comme ça, tout la peine pour rencontrer et monde FAO à travers l'Union européenne dans le cadre d'un projet qui a lancé dans le niveau cascade. Et c'est possible que tout PM la bien pour le Chita, avec tant d'autres l'autre et instances locales, autorités à travers complexe administratif qui logeait différentes administrations publiques. Et en conclusion, guerrier, question éducation. La majorité a engagé une ignorance, mandé ministre de l'Éducation nationale, la professeur Nesmy Manigat, qui était absent de matin, qui côté dans l'ignorance, ils ont l'école construite après le tremblement de terre 14 août 2021 et Ferdinand, dans le fond FNE. J'ai promis ça pour le fait pour 9 établissements scolaires et qui réunit plusieurs milliers et centaines de personnes qui sont capables de capter les après-midi. Les collèges finissent pour que eux-mêmes font entrer dans l'établissement scolaire. En gros, c'est ça qui marque l'actualité. Merci, à la prochaine. Merci, appel Frankel, Maginaire. Juvenz Clavel, bonjour. Voilà. Bonjour Guerrier, bonjour Johnny, bonjour Lydie, gros bonjour à tout le monde nord-ouest. Cap sur le journal, la première occasion, Grand Boulevard. Division qui gagne entre mairie Port-de-Paix et direction départementale MTPTC Nord-Ouest, la cité Cabral-la-Moa n'a côté chargé. Majorité quartier chargé avec Fatra Labou à cause magistrat José Alisma depuis mois décembre 2021 dans gros chirépit avec directeur départemental MTPTC Nord-Ouest, ingénieur Angelo Horatius. Communauté Port-de-Paix a demandé de M. Sario pour respecter mon Port-de-Paix, matériel l'État, ce n'est pas pour yoye division qui existait entre eux-mêmes à cause de l'argent, assainissement que yo pas privé partager ensemble, pas qu'à faire que population a payé pour casser. Et matin, même société civile dans la ville Port-de-Paix a demandé ministre MTPTC, Rosemont Pradel, ministre intérieur, pour t'arrêter M. Sao passer au l'ordre pour nous chiter ensemble, une façon pour nous capable de définir un plan d'assainissement pour ville Port-de-Paix qui n'est pas capable encore. À quelques jours de fête patronale, la commune Saint-Louis du Nord, en pile activité déjà commencé dans la commune Saint-Louis du Nord. Championnat football, foire artisanale, course motocyclette, c'est parmi activités qui déjà commencé dans la commune Saint-Louis du Nord. Donc nous doutons plusieurs associations dans la commune, féliciter le ministre du Commerce, Ricardin Saint-Jean, qui a un gros support pour activités capables de réaliser dans la commune Saint-Louis du Nord. Dossier éducation, nous prenons direction Zilé Latortu, association professeur Zilé Latortu, madame ministre éducation, professeur Nesmy Manigat, pour garder qui sont capables de faire pour lycée la nativité qui était fini année scolaire 2021-2022 dans difficulté à cause de professeurs qui, pourquoi nommé qui étaient toujours et a empêché le lycée à lui-même de fonctionner. Professeur, et t'as souhaité avant et moi septembre d'arriver là pour ministre t'as regardé comment il est capable de faire lettre nomination ça sorti pour professeur une façon pour rentrée scolaire pas paralysée dans le lycée la nativité sous île la tortue Port-de-Paix, Rock, Juvens, Clavel, Caraïbes FM. Saint-Pile, Rock, Juvens, Clavel. Richesse Modelin, bonjour. Bonjour Guerrier, bonjour Ludzi, bonjour Johnny, bonjour tout le monde. Information pour le département nord-est Guerrier, gagnant directeur police frontalière, commissaire principal Saint-Illus Holdem. Les mêmes réalisé une visite d'inspection week-end passé dans le département nord-est. Visite ça, c'est pour capable de garder dans qui état ressources humaines avec ressources matérielles dans le niveau du département nord-est pour garder qui est niveau, dans quel niveau capable de résoudre quelques problèmes. Dans ça, commissaire Holden, les mêmes fait qu'on a visite ça à tout, c'était pour capable renforcer les policiers, avec ressouder les policiers frontaliers avec toute l'autre institution qui travaille au niveau frontière. Les préciser, l'idée rencontré avec le colonel dominicain, avec le magistrat communal qui gagne plein contrôle avec la République dominicaine. Et le commissaire Holden demande aux policiers pour être capable de vigilants pour empêcher les malfrats de quitter la capitale là pour entrer en République dominicaine. Nous connaissons. Mais par rapport avec un pile groupe, la police a fait dans le niveau capital là, un pile bandit qui a pris capital là pour passer dans le département nord-est pour rentrer en République dominicaine. C'est pour ça les renouveler et détermination et motiver les policiers pour être capables de vigilants sur la route nationale numéro 600 ou bien sur l'autre route qui est non officielle pour empêcher les bandits eux-mêmes de payer pour être capables de rester en Haïti pour payer pour ça ou fait. Fort Liberté, Métropole, département nord-est, Richesse Modelin, Caraïbes FM. Jusqu'à nous, nous avons une saluer, jusqu'à nous, magistrats qui sont là, pour ne pas discuter sous question mentissante. Parce qu'en fait, c'est parce que nous ne pas comprendre en judicialisation et l'historité liée qui fait que, ouais, c'est pas magistrat, pas que magistrat, car ce magistrat, c'est sur les magistrats, tabac, magistrat, et son vilbel, mal, de Pentecoste, quoi des bouquets, et soit en premier. Ce premier fonctionnaire là, la commune, c'est garanti, pour la population, lui, Johnny. Comment imaginer jusqu'à présent, un compte de sécurité qui fait, avec sous engagement, sous responsabilisation. C'est ça qu'il s'agit. Si bien sécurité qu'à fond, sur vous, du côté Jude, parce que vous connaissez la communication politique, moi, sécurité comme première attribution, pas moi. Comme magistrat. Et toujours des magistrats ou ça. Même si pas un gaz unité, le canon fabriqué, si la police vient de la commissariat aider, et ça fait tout magistrat dans le métropolitain, en majorité, on le dit. C'est la première mission magistrat, c'est garantir la sécurité citoyenne la guerre avec la police. Ça veut dire que si nous sommes dans l'État, c'est un magistrat qui avait une chaque jour pour continuer pour rentrer de tous côtés pour aider la sécurité, c'est leur mission première. Donc je dis alors dans la passer dans le communaux, tout ça il a pas de l'autre monde qui magistrat, le premier responsable du système de sécurité municipale. C'est responsabiliser, mettez face à la responsabilité, si on n'est pas capable de dégager. Il pas qu'à réunir pas jeune fait concertation pour que tellement à travail dans le pays ça, monsieur, dans la question de sécurité. C'est eux-mêmes sans moyens, sans bureau, qui ont communiqué, qui ont aidé, qui ont intervenu, ils ont jugé toute la bataille. Mais la fonction est tellement importante dans l'organisation de l'État aujourd'hui. C'est étonnant qu'ils n'aient pas fait partie des débats publics quotidiens. Donc, pour vous, le ministère, responsabilité magistrat, et puis des systèmes de surveillance, tout. Pour regarder est-ce qu'ils ont impliqué de près ou de loin pour dégager pour cette chambre de mais écarter l'utilisatoire, ça n'aide pas à renforcer les objectifs de sécurité nationale. Parce qu'au fait, le maire, le premier responsable de sécurité dans sa commune, et moi-même, c'est vous, ça m'a continué à remplir. Je vous garantis que ça a fait des circulations normales. Oui, je m'engage. Et aussi longtemps que je reste à la tête de la mairie de Carrefour, je m'engage. Et maintenant, des magistrats qui ont engagé dans la sécurité. Le président Paul André continue à engager dans la question de sécurité. Parce que le peu qui vient en matière de sécurité dans le pays, c'est nous-mêmes, les cadres qui. Et nous renouvelons l'engagement pour nous aider la police. Mais que sécurité. Et il faut que l'élection faite dans le pays. Et demander encore une fois à mettre là pour le récapter. Parce que les magistrats et les cadres avec les délégués, même si on sont catégories qui victimes, mais nous-mêmes, nous étions solidaires. Nous connaissons, dit au collectif déjà. Monsieur, dame, si bœuf te connaît force, c'est bon, si on veut amener l'abattoir, à anti-décode, Jude Edouard Pierre, avant de finir, Dr. Gana Madden pose une question. Est-ce que vous avez une loi qui définit catégorie 1, 2, 3 sur ce qui base? Ce n'est pas une loi, non. C'est un travail de recherche, un travail colossal qui est fait par le ministère intérieur avec la fédération. Ça date de quelques années. Il faut garder le niveau de recette chaque commune, il faut garder les populations chaque commune, il faut garder les charges gagnées. Et sur base-là, justement, élaborer et faire catégorisation. Et je dis à des communes, justement, dans la deuxième catégorie, qui entrent dans la troisième catégorie avec nos nouveaux placements que DGI fait, comité pilotage-là, que nous saluons vraiment le travail qu'a fait au niveau de la fiscalité. Et sur base-là, il y a une nouvelle commune qui sort dans la deuxième, qui sort dans la troisième, qui sort dans la deuxième catégorie, et bien qui sort dans la deuxième catégorie, qui sort dans la première catégorie. Commune, tant que commune cap-haïtien, eh bien, il y a assez de potentiel. Et ça fait, moi encore une fois, recevoir une invitation du ministère financier, car sur le processus budgétaire pour le budget 2022-2023, parce que, par exemple, il y a pile mesure qui apprend pour renforcer la fiscalité locale, parce que c'est le gros de la décentralisation. Si ça se fait tel que prévu, je crois que la transition ça a aidé à renforcer la décentralisation. Pour le monde qui a pas souffrir, même gens avec l'autre magistrat qui, je dis, a créé un service, mais service avec du un pour une République haïtienne, alors que par définition, toute République, son capacité de bail service, qui se fondement identitaire. Merci un peu, Jude Edouard Pierre. Nous sommes contents de parler avec vous matin. On a fini avec le sujet ça, avec Paul André pour Fédération Nationale Kazekyo. Paul André, bonjour. Bonjour Guerrier et bonjour tout le panel là et dans les Caraïbes. Et moi saluer magistrat Jude Edouard et toute Kazek, tout magistrat dans le pays à tout à sec. Et nous profiter saluer. Et me saluer peuple haïtien cap candide. Et moi pour moi dis on bagaille en plus de magistrat Jude sous question sécurité collectivité a. Et moi songé sous président Préval avec ministre Paul Antoine Bien-Aimé et moi gagné tout pays. L'été gain insécurité qui a fait rage dans la cité Soleil et dans la zone métropolitaine, là que M. Sayoté a le caché et la collectivité a été résultat. Et moi, je dis en plus encore, pas gagné jusqu'à présent, jusqu'au moment qu'il n'a pas parlé là, pas dans quel côté où tendez, nèg a fait à gros âmes d'insécurité, aller dans quelle que soit section communale de la journée. Moi, je mets ça, je mets ça pour. Moi-même, Paul André, je parle dans nos collectivités locales, la magistrat Kazek, pas dans quel côté avec nous, pas dans quel côté ils ont bandit à le cacher, soit l'on habitation, soit l'on section communale, pour que la police ne vienne pour le pas joindre. Parce que nous-mêmes, nous étions une collectivité qui unit. Et nous toutes mettons nous ensemble et la travail et nous accompagnons. La question légitimité, Maître André Michel a parlé hier là. N'a dit pour peuple haïtien. Légitimité à garder tiers Sénat qui était avec collectivité territoriale. C'est eux-mêmes qui sont dans l'élection. C'est peuple là qui te baille au mandat. C'est que les peuples là qui baille à ville pour déjà. Ils disent, mais qui laisse prendre le dirigeant et ils prennent ça très au sérieux et ils accompagnent Mountaï. C'est que l'autre monde, moi pas dire qu'on va faire un job. Il y a travail, il y a un job, mais pas de légitimité que nous gagnons aujourd'hui. Et nous comprenons que l'élection parfaite, les élections parfaites, ce n'est pas nous-mêmes qui là, et les collectivités qui étaient là pour faire élection. Rester à pouvoir central là, les gens qui ont une responsabilité pour ça, malheureusement, il n'y a pas d'opportunité pour le président Jovenel faire élection, eh bien, aujourd'hui, on attend élection dans le pouvoir ça qui là. Et nous-mêmes, nous déjà paré et nous travaillons au jour le jour pour que le peuple nous, ou qu'attendez, dans tout département, dans toute section communale, joignent ça qui est la sécurité. Et je tourne pour me dire, et moi, magistrat Jude Edouard, alors président Fénam, saute parler de Chita Palais et rencontre que nous avons avec le ministère des Finances sous question nouveau code fiscal là. C'est pour la première fois. Et depuis, il prend le travail pour moderniser et sacrer le code fiscal là. Nous-mêmes, FENACA, pour Kazek, nous avons réfléchi avec le ministère des Finances, avec une commission qui est créée, côté que, fois ça, nous discuter pour que section communale rentre. Parce que là, on dit administration communale et administration section communale, vous faites ça, il y a ça qui est deux administrations qui sont des communes. Eh bien, pas de problème, la commune a une responsabilité pâle, section communale a une responsabilité pâle, pendant qu'on travaille ensemble, eh bien, il faut toutes et administration ça engagé pour recette entrée. Cette fois-ci, recette yo pral rentrer tout bon vrai parce que papa bien négligence administration section communale qui c'était négligence administration section communale qui te fait recette yo pas rentrer. Soit c'est dans la patente, soit c'est dans la CFPB, etc. C'est que fois ça puisque et commission à travail n'a fait des propositions, il va mettre des propositions en application, mais ça pral gagner recette là qui va partager et entre section communale là à commune parce que toute bien responsabilité pour bail service. Et sous permettez-moi surtout sous question fond, m'a conclu. Sous question fond de gestion collectivité qui rapatrier alors qui allait et dans quitte. C'est que y a un nouveau compte d'après information gagnée qui l'ouvre. Et nous-mêmes, nous avons question des nouveaux comptes qui tapent vos problèmes. Non, c'est est-ce que loi sous collectivité a baillé un ministre doit ça? C'est que c'est vrai, pouvoir lui-même à travail, nous-mêmes, dans le cadre de programmation font ça. C'est fonds pour collectivité territoriale. Et collectivité a gagné représentant à travers la fédération. Il faut qu'ils jouent un rôle prépondérant. En deux font ça, côté que yo même pour nous garder comment la dépenser. Et nous dit, collectivité, qui dit pour FENAM, qui dit pour FENACA, il gagne association de